Salut! Ça va, Dorian? Ouais, ça va. J'étais en train de finir de bricoler mon vélo. Hein. Qu'est-ce qui t'amène? C'est quoi ce masque? Eh ben, c'est de ça que je voulais te parler, justement. J'ai vu une expérience hier sur les particules fines et j'étais pas trop rassurée, je voulais te la montrer. D'accord, bah ouais, fais voir. Ouais, alors j'ai amené tout le matériel. Hop, une petite maquette. Un entonnoir. Et de la farine. On fait quoi avec tout ça? Bah donc, ce que tu tiens dans ta main, c'est une maquette de poumon. Donc, le ballon rouge, ça représente ton poumon. Et la membrane blanche en dessous, ça représente le muscle de ton diaphragme. Quand tu vas tirer sur la membrane, tu vas voir que ton poumon va se gonfler d'air. Ah, génial! Ça représente bien ce qui se passe dans notre corps. Mais quel rapport avec ton masque? Bah, le rapport, c'est que parfois, quand tu inspires, tu avales aussi des particules fines. Alors, tu vas voir. Donc, on va rajouter de la farine qui représente les particules fines à l'intérieur de notre ballon. Hop. Okay. Et là, tu vas à nouveau tirer sur la membrane et gonfler notre poumon d'air. Et je vais en mettre partout, c'est ça? Eh ben non. La farine reste à l'intérieur. Ouais, comme les particules fines. Ah, mais c'est pas terrible pour notre santé, ça. Bah non, en effet, la pollution de l'air, c'est la deuxième cause de mortalité évitable en France. Ah, d'accord, mais l'air est pur ici. Je pense que tu peux laisser tomber ton masque. Hein. Bah détrompe-toi, hein. Les particules dont je te parle, elles sont invisibles à l'œil nu. D'accord, mais d'où elles viennent en fait? Bah il y a plusieurs sources. Ça peut être le pollen, les moisissures ou encore les particules issues de la combustion. C'est quoi ça exactement? Bah, ça peut être les fumées des usines ou encore les gaz d'échappement qui viennent des voitures diesel ou essence. D'accord, ce qui fait qu'on est particulièrement exposé le long des routes ou en ville. Exactement. Mais on va pas pouvoir se passer des voitures avant longtemps. Ça veut dire qu'on doit tous porter un masque? Bah pas forcément, en ville, tu crois pas qu'on pourrait se passer la voiture? Ah, je vois, tu veux me lancer un défi. Une semaine sans voiture, ça te dit? Écoute, maintenant que mon vélo a gonflé, pourquoi pas? Même s'il pleut? Allez, même s'il pleut.